retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la suite de mon coloriage sur les gnomes. Voilà, donc alors je vais pas réussir à dire bien. Alors je mets Gnome in the Night Road. Voilà, c'est un nom un peu compliqué, donc de Denise. Alors Denise Clette, voilà. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Je n'ai pas fini bien sûr. Donc aujourd'hui j'ai fait tout ce qui était les petites fenêtres qui sont dans l'arbre, la porte et la lune. Voilà, j'ai fait la lune. Alors vous verrez, j'ai fait une lune multicolore. Pourquoi pas? Avec des gnomes, on peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà, c'est un peu du féerique, hein, avec les gnomes. Donc, on peut un peu faire des couleurs hors du commun. Donc voilà, j'ai fait une lune hors du commun. Vous me direz ce que vous en avez pensé. j'ai pas fait plus aujourd'hui. Bon, j'ai fait un peu de cartonnage et puis bon, j'ai fait 2-3 courses et tout. Et puis bon, voilà, c'est tout. Bon, là j'ai eu l'hôpital qui m'a téléphoné. J'ai enfin eu mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Il était temps. Plutôt que mon médecin avait envoyé 3 courriers à l'hôpital pour que je puisse avoir un rendez-vous. Ça y est. Donc j'y vais lundi. Donc c'est pour ma thyroïde. Voilà, qui ne fonctionne pas bien en ce moment. Je vois quelqu'un qui arrive. Bonjour. Voilà, c'est Fifi. Ouais, donc lundi, je vais à l'endocrinologue. Il y a des noms de médecins, des spécialités de médecins qui ne sont pas faciles à dire. Hein. Voilà. Donc, bon, cette semaine, je vais continuer le cartonnage, le coloriage. Et je voudrais également faire du tri dans mon atelier. Et voir tout ce que je n'ai plus besoin. Donc je vais faire un grand vide dans l'atelier et certainement faire une grosse vente de ce que de matériel que j'ai. Pas de scrap, hein, pas de. Je pense je vais garder le scrap. Je vais garder le coloriage bien sûr. Je vais garder ce qui est diamond painting. Je vais garder qu'est-ce que je dis que je gardais, je ne sais plus. Enfin, je ne vais pas garder ce qui est fimo, ce qui est bijoux. Enfin, pour la fabrication de la fimo, les bijoux, la mosaïque. J'ai pas mal de choses que je ne veux plus faire, que je ne ferai plus. Donc tout ça, je vais trier, faire des petits paquets, puis les revendre. Voilà, parce que bon, bah, de toute façon, je ne m'en servirai plus du tout. J'ai dit, il y a trop de choses maintenant dans l'atelier, et puis je ne m'en servirai plus. Je ne ferai plus de fimo, de mosaïque, de bijoux, tout ça, c'est fini, je n'en ferai plus. Donc là, je vais juste me garder, comme j'ai dit, le scrap, le coloriage, le DP, ma broderie, bien sûr, voilà, et mon cartonnage. Voilà, mais tout le reste, je vais vider l'atelier. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Si je vais faire une vente comme je faisais avant par vidéo, enfin, en live,
Ou alors je vais tout mettre ce que je vends sur une page spéciale sur Facebook. Je pense que ce serait mieux, je vais voir. Je vais voir ce qui sera mieux. Bon, de toute façon, là pour l'instant, il faut que je fasse tout le triage de l'atelier. Ça va me prendre un petit peu de temps. Et de faire tous mes petits paquets, mes prix, tout emballer ce que je veux vendre. Il y a même des choses de bricolage. J'ai encore des choses pour faire des choses de Noël, pour faire des couronnes de Noël. J'ai vraiment encore. J'ai de tout, de tout, de tout. Et il faut que je vide. Voilà. Donc, mais ça, je vous en reparlerai dès que j'aurai fait mon grand tri. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo qui est un peu longue. Mais bon, c'est vrai que les vidéos de coloriage sont toujours un petit peu longues. Je suis désolée. Mais comme je vous explique, vous pouvez regarder en deux fois ou alors la regarder le soir quand il n'y a rien de beau à la télé. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions, voilà, ben, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.